Les rues d'Ankara ont retrouvé leur calme après une nouvelle nuit agitée. Un calme relatif, mais c'est cette image que le chef du gouvernement veut privilégier. Pas question pour Recep Tayyip Erdogan d'annuler sa tournée au Maghreb. Pourtant, hier encore et pour la troisième journée consécutive, des affrontements ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre ici, dans la capitale, mais aussi à Izmir ou encore Istanbul. Les protestataires avaient érigé des barricades avec du mobilier urbain et des pavés. Toutes les rues menant au bureau du Premier ministre avaient été bouclées. La police a tiré des grenades lacrymogènes pour repousser les manifestants. Ces manifestations, nées de l'opposition à un projet immobilier dans la capitale culturelle, se sont muées en mouvements de contestation. Le Premier ministre turc est accusé de dérives autoritaires pour islamiser le pays.